Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous partager le petit live-là, s'il vous plaît, merci. Merci, partagez. Bonjour Doris, bonjour Henri. C'est fiché, est-ce que vous pouvez partager s'il vous plaît? J'ai toujours du mal avec les groupes là. Est-ce que vous pouvez partager s'il vous plaît? C'est fiché. Bonjour Prisca. Oh, il est déjà là. Moi, avec vous, ça ne sert à rien que je m'énerve. Hein. Je me rendais malade. Hein. Wally, Wally, ma petite soeur d'amour, comment tu vas, chérie? Hé. Je suis pas sur le canapé. Quand tu as les oreilles vraiment de l'instant, il ne faut pas voir qu'on va pas venir. Jeannot, bonjour, excusez-moi. Je fais l'accent à votre place. Tu danses au volant, hein? Moi aussi, je vais danser. On va voir les gens là. Partagez, le live sera un peu long aujourd'hui. Hein. Oh, Seigneur, qu'est-ce que vous venez? Moi, et Facebook. Hein. Amen, bamboulou. Je ne danse pas, donc je dois danser pendant qu'on pleure. Je suis en joie. Je suis en joie. Je mets la musique seulement pour le temps que je partage. Je vais danser pour quoi, mon frère? Bon, mes frères, ma part, comment allez-vous, Eva?
Appuie l'ordinateur. Appuie l'ordinateur à côté, s'il te plaît. Je vais prendre le bébé là, je vais mettre ça à côté, merci. Bien, comment allez-vous mes chers tous? Comment allez-vous partager au lab? Bonjour, j'espère que votre dimanche se porte bien. Vous avez bien commencé votre dimanche. J'espère que certains d'entre vous vous êtes rendus au port auprès des naufragés. J'espère que vous portez assistance aux autres. Bonsoir Suzanne Liviane. Ça fait, c'est fait. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour, bonsoir Hortense à Henri. Ne te fâche pas. Ça dépend de ce que vous allez faire pour que je ne me fâche pas. Vous savez que moi, je me fâche quand on m'énerve. Si on ne m'énerve pas, je ne me fâche pas. Si on ne m'énerve pas, je passe ma route. Voilà. Quand on m'énerve, là, c'est tic-tac. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas faire tic-tac là comme moi. Moi, c'est vraiment du tic-tac. Bien. Alors, j'espère que vous êtes tous au banc, comme on appelle ça, au premier banc, au premier rang. Parce que nous allons tous ensemble comme ça. On va prendre nos deux pieds, nos quatre mains, nos quatre membres. Nous allons marcher jusqu'à la présidence de la République pour aller saluer Madame Sylvia Bongo, pour aller saluer celle que j'appelle la sardine séchée. Donc nous allons comme ça tourner vers elle. Nous allons se rendre là-bas. Et puis, à côté, je ferai peut-être entorse quelque part, comme d'habitude, je ne finis jamais mes lives sur un sujet. Je viendrai sûrement mettre quelque chose sur... le constat que je regarde un peu, je verrai si j'ai le temps de faire ça. Alors, pour commencer déjà, j'ai un peu deux choses. Hein. Non seulement je vais parler à Sylvia, j'ai aussi une deuxième chose qui m'interpelle, c'est l'audio d'un fan, je pense qu'il est fan de Makoku, que j'ai écouté. Et il y a des choses qui ont été dites dans cet audio-là qui m'interpellent un peu aussi. Et donc, je voudrais tout simplement revenir sur cet audio-là et peut-être aussi continuer à faire un peu de la sensibilisation à l'information, parce qu'il ne faut pas qu'on nous balance tout et rien, n'importe quoi, dans l'optique de se faire voir sur les réseaux sociaux. On parle quand même des vies humaines, on parle quand même des personnes qui sont... bon, il y a quelqu'un qui est venu me porter français hier, que on ne dit pas porter disparu, mais bon, tous mes professeurs là, gardez le moment où vous allez venir encore me porter français là une autre fois. Mais on parle quand même des gens qui n'ont pas été retrouvés, d'accord? Bien, last lady imbécile. Ah, ok, d'accord, tu insultes quelqu'un, ma chérie, tu insultes les tons. Bien, alors, tout d'abord, comment allez-vous mes chers tous? Comme vous le savez tous, nous sommes toujours... 48 heures, 70 heures, on dit ça maintenant, 4 jours plus tard, après le naufrage qui a frappé notre pays, et celle qui prétend être, on va dire prétendre, parce que comme Ali Bongo prétend être le président des Gabonais, celle qui prétend être la première dame de la République gabonaise, jusqu'à présent, n'a pas fait une sortie, au contraire, elle vit sa baisse live. Mais je ne vais pas seulement parler à Sylvia Bongo, ce serait trop facile. Je veux aussi parler à toutes les femmes là qui donnent crédit à Sylvia Bongo. Je veux aussi parler à toutes les femmes gabonaises là qui demain, lorsque Sylvia Bongo va organiser ses bêtises de je ne sais pas, de concert à la noix, à la com, vous le même peuple qui pleure aujourd'hui, vous les mêmes femmes qui pleurent vos enfants aujourd'hui, vous serez les premières à les trépigner pour une sardine fumée, à les danser pour une malpropre qui n'a rien à foutre de vos misères. Vous serez les premières à appeler cette dame-là Mama Sylvie. Donc, ma colère ne va pas seulement s'arrêter envers cette momie. Je vais aussi vous parler, vous, cher peuple gabonais, parce qu'à un moment donné, vous abusez avec vos misères. Vous faites en sorte que la plupart des influenceurs et des blogueurs ou des activistes ne s'intéressent pas à vos problèmes parce que vous-même, vous ne vous aimez pas. Vous-même, vous ne vous accordez pas de l'importance. Et comme vous voulez qu'on vous maltraite et qu'on vous parle mal, laissez-moi accompagner votre souffrance dans ma bouche là, même si vous êtes en malheur. Bon, commençons par le commencement. Pour ceux qui vont arriver sur ma plateforme, je suis Claire Newman, activiste, militante des droits de l'homme au Gabon. Et aujourd'hui, nous avons un drame qui frappe le Gabon depuis à peu près 3 jours. Bien sûr, les panafricanismes à la con, à la noix de merdi. Je reviendrai sur vous aussi quand ça va me piquer. Sont silencieux parce que ce n'est pas leur pays. D'abord, j'ouvre la parenthèse sur ça. Hier, j'étais au Cameroun. Lorsque le Cameroun a eu un accident qui a divisé la route, toute l'Afrique était le Cameroun. Hier, nous étions les Sud-Africains. Lorsque les Sud-Africains ont vécu, je ne sais pas, la crise qui a frappé, c'est 2018, 2000 quoi. Nous,
Gabonais, nous étions le Sud-Africain. Hier, le Gabonais était le Congo. Comme d'habitude, lorsqu'on tue le Congolais, lorsqu'on fait, lorsqu'il y a tout là-bas, nous sommes les Congolais. Hier, nous étions le Togo et le Bénin. À chaque fois qu'il y a des manifestations là-bas, nous, le peuple gabonais, nous sommes ces pays-là. Hier, nous étions le Burkina Faso. Lorsque vous avez des problèmes, lorsqu'il y a eu toi, le Gabon a été ça. Hier, le peuple gabonais était bien sûr ivoirien. Lorsque l'ivoirien a eu des problèmes en Tunisie ou autre, nous, le peuple gabonais, nous sommes les vôtres. Mais aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes gabonais. Aucun autre pays n'a mis « je suis Gabon ». Personne n'est gabonais lorsque nous, le Gabon, nous avons besoin de vous. Lorsque nous, le Gabon, nous sommes en danger. Personne n'est Gabon, même la France. Lorsqu'il y a eu le problème de Charlie Hebdo, le Gabonais était Charlie. Même la Turquie, nous étions tous des Turcs. Mais personne n'est le Gabon. Personne n'est là pour le Gabon. Et ce qui me tue encore, c'est que nos compatriotes aussi, qui sont censés être des grands influenceurs, quand il s'agit d'aller parler des histoires de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, là on reconnaît qu'il y a des influenceurs au Gabon. Quand il s'agit de venir insulter les gens, de parler de la vie privée des gens, là on reconnaît qu'il y a des influenceurs au Gabon. Il y a influenceurs au Gabon quand il s'agit de parler de futilité. Il y a influenceurs au Gabon quand il s'agit de parler des fesses, de cons, de cul des gens. Parce que là, leur limite s'arrête à ce niveau-là pour s'intéresser aux défaillances des autres, pour s'intéresser comment je dois insulter les autres. Mais défendre ou bien défendre leur pays auprès des autres, il n'y en a pas. Je n'ai pas vu ce qui m'étonne, autant de Gabonais qui soutiennent beaucoup d'influenceuses ivoiriennes. Même la part de ces influenceuses ivoiriennes dit que la plupart de mes fans sont des Gabonais. C'est peut-être que ces Gabonais qui sont morts là, il y a vos fans dedans. Peut-être que ces Gabonais qui ont trouvé naufrage à la mer là, il y a vos fans dedans, peuple ivoirien. Je veux quand même adresser à vous, même pas un rip. On m'a dit que Bravador a fait baisser en passant, mais je regarde les plus grands influenceurs où le Gabon est rempli là-bas matin, midi et soir. Je ne parle compte même plus de ces Gabonaises qui m'ont insulté à cause d'une influenceuse dans les réseaux sociaux. Mais cette influenceuse là n'a même pas parlé aux morts de Gabonais, n'a même pas pensé mettre rip à mes citoyens gabonais, parce que la plupart de mes fans viennent du Gabon. Mais ça, vous êtes incapable de le faire, parce que vous nourrissez vos blogs que par la médiocité, vous nourrissez votre blog que par nourrir, par élever notre pays. Vous êtes incapable d'élever votre pays chez les autres. Vous êtes incapable d'imposer le respect auprès des autres pour que les autres parlent de vous, pour que les autres pleurent vos malheurs, pour que les autres pleurent vos morts. Impossible. Vous pleurez notre pays, vous pleurez le monde entier, mais personne ne pleure nos morts, mais personne ne pleure pour nous. Pourquoi? Personne ne vient nous regarder, parce que nous, peuple gabonais, nous, influenceurs gabonais, nous, blogueurs gabonais, nous, chanteurs gabonais, nous avons pris l'habitude de nous sous-estimer. Nous avons pris l'habitude, autant pour moi, de porter les sacs des autres. Nous sommes incapables, nous, de lever, de dire aux autres que vous avez aussi le droit. J'aimerais voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Cameroun et le Congo dire partout, mettre des rives partout, mettre les drapeaux du Gabon en deuil, que le Gabon en deuil. Parce que ces pays-là, la plupart de leurs fans sont les Gabonais. Ceux qui sont morts là étaient même leurs fans. Je commençais la colère par vous. Quand c'est pour venir insulter Claire Newman, vous êtes des blogueurs. Quand c'est pour insulter Mikolo, vous êtes des blogueurs. Mais quand c'est pour dire SOS, mon pays pleure, il n'y a pas de blogueur. Quand c'est pour dire à vos gens, vos stars, ma star, s'il te plaît, mon pays est en malheur, est-ce que tu peux mettre une affiche sur ta page? Parce qu'il y avait aussi tes fans dedans, vous n'êtes pas des blogueurs. Je veux savoir à quoi vous sert alors d'être sur les réseaux sociaux, si ce n'est qu'insulter les gens matin, midi et soir. Pendant ce temps, les vôtres pleurent. J'aimerais voir le peuple gabonais réuni. J'aimerais voir des influenceurs gabonais qui sont au Gabon en ce moment-là envahir les rues, aller secourir les Gabonais au port. Vous devez vous rendre au port. Créer même une cellule d'urgence. Une cellule d'urgence pour accueillir toutes ces personnes-là. C'est ça l'influencement. C'est ça l'influence. Mais non! On brique par des insultes, on brique par des clashs négatifs, on brique par venir montrer que toi tu es mieux parce que tu as beaucoup quoi. On brique dans ce qu'il ne faut pas, ce qui nous amène nulle part. Je suis triste d'être panafricanisme. À la limite, j'ai envie de dire que je nique le panafricanisme. Je le dis aujourd'hui. C'est un panafricanisme à sens unique. C'est le panafricanisme à sens unique. C'est quand il s'agit d'autres pays, là on est panafricaniste. Quand les Congolais pleurent, le Gabon pleure. Quand le Cameroun pleure, les Gabonais pleurent avec les Camerounais. Mais personne ne pleure avec le Gabon. 150 personnes ont
trouvé nos franges dans les côtes de Libreville. On trouve à peine quelques personnes, plus de 150 vies. L'Afrique est silencieuse parce que c'est le Gabon. Parce que comme toujours, j'ai toujours dit, on dirait que tous les pays africains, là, vous en voulez au Gabon. Je vous regarde, je vois. Je vois quelqu'un qui viendra encore dire, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que lorsque vous gagnez, l'Afrique doit gagner. Lorsque le Gabon doit être vos lèches-bottes, vous gagnez. Mais personne pour venir soutenir le Gabon. Personne pour dire que non, il y a un malheur. Même les chaînes de télévision internationale, j'ai vu TV5 ou quoi faire là-bas. Rien. Je regarde, j'ai le canal, j'ai l'abonnement canal africain. Je regarde vos chaînes africaines. Rien. Rien. C'est ça que vous appelez. Soyons ensemble. Quand c'est vous, on doit être avec vous. Quand c'est nous, personne avec nous. Mettez le cœur s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de mettre les têtes de mort. Je ne sais pas ce que la personne est venue faire ici. Hein? Lady Fena fait une pause. On va les compter comme ça. Lady Sonia Bravador. Bon, bref. Je n'ai pas envie de citer les noms des gens ici. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Lady Sonia et Bravador ne sont pas l'Afrique entière. Il y a tellement d'influenceurs, tellement de blogueurs, tellement de panafricanistes. Je ne parle pas seulement que des influenceurs. Il y a aussi des panafricanistes, des activistes qui prétendent être des panafricanistes. Tunisie, là-bas, nous tous on a parlé, que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent là-bas. Tout le monde a parlé. Tout le monde était Tunis. Personne n'est jamais Gabon. J'aimerais comprendre pourquoi personne n'est jamais le Gabon. Personne de l'Afrique n'est jamais le Gabon. La plupart des postes que vous faites là, c'est en passant. Vous n'allez pas parler de ça comme nous. Parce que quand un Gabonais veut parler d'histoire ailleurs, nous, on va parler des semaines, comme si c'est pour nous. Mais personne n'est jamais le Gabon. So, bref, je mets à côté. Je vais d'abord courir, je m'en vais à la présidence. Vous savez que moi, je m'allais à gauche, à droite. Je vais d'abord atterrir à la présidence gabonaise. Parce qu'avec vous, là, c'est dans les réseaux sociaux, on est bien. Bien. On va aller... On va aller maintenant à la présidence de la République. Qui veut intervenir? Permettez-moi d'abord de continuer un peu le live. Attendez, je vais voir. C'est Nadia Ofe. Plus tard, ma belle. Tu pourras redemander plus tard. Sinon, je vais oublier. Là, c'était l'entrée. Ça, c'était l'introduction. On continue maintenant le vrai sujet. Maintenant, on va se rendre un peu à la présidence de la République gabonaise. On va aller visiter madame, celle qui prétend être la première dame de notre pays. Celle qui prétend être la mère de la nation. C'est comme ça qu'on appelle les premières dames, la mère de la nation. Celle qui prétend être la mère même, la cellule mère. Même si elle est du bamba, même si elle est mes, même si elle est sardine fumée, même si elle est de botox, même si elle est sec comme quoi, même si elle est vilaine comme quoi, mais elle a le titre de première dame de la République gabonaise, madame Sylvia Bongo. Alors, j'ai deux choses. Je commence par le commencement et puis je vais arriver à la fin. Je vais d'abord commencer par un audio que j'ai écouté. Je ne sais pas si vous avez le temps, l'audio doit durer à peu près 10 minutes. Le deux va durer à peu près 10 minutes. Vous allez trop loin. Je n'ai même pas encore commencé pour arriver loin. C'est là-bas où toi tu es en train de voir loin là. Rohan, faut t'asseoir même que ça veut dire que loin les mêmes, je vais me dépasser ta maison dans le loin là. Comme ça tu vas venir m'arrêter le téléphone quand je dis ça que panafricanisme je nique. Voilà, si c'est panafricanisme que je nique là, je l'ai loin. Je n'ai même pas encore démarré. J'ai dit que je n'ai même pas encore fait première. Je n'ai même pas encore démarré. Toi tu me dis déjà que je suis parti. Je suis en train de faire le chauffement. Je suis en train de chauffer le moteur. Toi, tu dis que c'est loin. Ça dit que je chauffe encore le moteur. Toi, tu dis que je pars déjà loin. Attends alors. Quand je vais démarrer, tu vas fuir. Sors-moi d'ailleurs là. Tu connais dans quel pays tu es là? Abama, kana, abama, bam. Et attends, excusez-moi. C'est pas facile sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous faire lire d'abord l'audio en question. Alors, je peux faire d'abord un petit résumé. Il s'agit d'un monsieur qui dit avoir été secouru et que dans la nuit, Sylvia Bongo aurait affrété deux bateaux. Voilà un élément que moi qui me chagrine. Cet élément-là ne va pas dans ma tête. Bonjour ma grande Sénat Carole. Donc du coup, je vais commencer par là et puis j'atterris sur Sylvia. Écoutons ensemble l'audio et analysons doucement. Parce que j'ai comme l'impression aussi que tellement on est dans l'émotion,
Tout le monde va venir dire les choses, tout le monde va venir parler, puis on a un peu du mal à analyser, à comprendre quand même le fait que c'est pas logique, c'est pas normal. Est-ce qu'on est d'accord? Cet audio-là, je l'ai écouté tout à l'heure dans la journée. Bien. Ok. Je vais aller, puisque je me suis fait partager ça pour ne pas oublier, parce que moi, avec beaucoup de choses qu'on m'envoie, il faut que je puisse avoir ça dans mes données. Ma vargne, le me viva. Bien, c'est là. On va écouter l'audio du naufragé et ensuite on va analyser ensemble. D'accord. Oh, les écouteurs. Attendez, je vais enlever, c'est sûr, les écouteurs. iPod, non, ne va. Voilà, ne va. C'est un papa, il est de Makoku. Je vais traduire et pas l'enfant. Notre grande sœur, nous l'avons dit aussi, mais voilà, nous allons dire l'église. Allons dire gloire mariale. Allons dire la bénédiction. Parce que je vous dis que nous allons aller. Nous allons aller. Nous allons aller. Et vous me dites, je suis là. Mais vous voyez, je suis là. 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 Parce que bateau à bleu, vous l'avez à caler la balle, bissu de secours, je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Et puis vous m'avez à caler la balle. Il n'a pas retenu la minute en question où il parle. Dis-moi, il y a le goût, nous à vous, toi, que tu y es, maintenant, c'est ma vermine. Bon, mon bien, oui, oui, toi. Bon, ben, vous voyez la politique et tout. Allez, tout le monde a l'air. L'air, il y a un peu, Dieu, mais Sylvia, bon, vous voyez, dis-moi. L'air, il y a un peu, mais que le goût, le long de Dieu, le bateau. Je vais traduire la petite place là. Alors, pendant que le drapeau, le bateau était en train de chavirer, pendant qu'ils étaient dans les paniques, pendant, alors il explique un peu le déroulement. Et dans le groupe, il y avait un monsieur dedans. Le monsieur est fait partie des grands messieurs au PDG, d'accord? Il a des connaissances au PDG. C'est comme ça, le monsieur va lui dire que appelle ma mère. Donc, je vais appeler ma mère. Donc, le monsieur avec lequel il était. Donc, là, c'est quelqu'un de chez moi. Il est de Makoku. Donc, la personne va dire que non. Donc, je vais appeler ma mère parce qu'on connaît Sylvia. On se connaît. Je connais Sylvia. Donc, il explique. Écoutons. Anna, comme numéro, on a bien formé un numéro. Nyaïa. Il y a les Sylvia Bongona. Allez, Nyaïa. L'air Sylvia Bongona. Dites-le vous. On a attendu un peu que tu aies un nia à bralé parce que nia à vous insister. Anne bien bralé, Anne nia à bralé, Anne m'a décroché. Anne a dit non, mine vive, mine est quand il a tabac avec d'ici 30 minutes, bateau et Michel Marine Mazan au mine. Anne le moins que dix avant même les 30 minutes, on veut deux navettes de Michel Marine Branson. Première navette, un temps, il faut un coup. Ou bien il faut. Je traduis un peu pour les non-fans, et surtout le fan de Makoko, c'est un fan un peu sophistiqué. Donc, il dit, le gars qui était avec eux, appelle sa mère, dit aux parents qui témoignent que, je te donne le numéro de ma mère. Ma mère connaît Sylvia Bongo, on connaît, on est de la politique, on connaît Sylvia Bongo. Compose le numéro de ma mère va trouver une solution pour nous. J'aurais beaucoup de questions à ces messieurs, à une partie, on va d'abord écouter, d'accord? Et donc, le monsieur va composer le numéro de la mère, du compatriote, du collègue qui est avec lui dans le bateau. Donc, en composant le numéro, la personne va dire à la mère que nous sommes en danger. Appelle Sylvia Bongo, s'il te plaît. Donc, ils sont en plein danger. C'est-à-dire que c'est un bateau entier, parce que je ne pense pas qu'il y avait deux bateaux. Hein. C'est pas un grand bateau comme Titanic. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment le petit bateau là. Donc, le bateau qu'on a vu là, le monsieur là avait quand même un sauveur dans le bateau. Le sauveur a dit,
appelle ma mère. Elle va appeler Sylvia parce qu'elle connaît Sylvia. Donc la mère, le papa qui explique là, compose le numéro de la maman. La maman appelle. La maman a dit que, ok, attendez-moi dans 30 minutes. Donc la maman a pris le téléphone, a appelé la présidence. Donc ça veut dire que Ali Bongo et Sylvia Bongo étaient informés à 1h du matin. Ça veut dire que Ali Bongo et Sylvia Bongo ont été informés à 1h du matin. Donc, parce que dans le bateau là, il y avait quelqu'un qui connaissait Sylvia Bongo dedans. La personne a dit aux compatriotes de Makoku que, comme moi je n'ai plus le téléphone, hein, toi qui as le téléphone, je te donne le numéro de ma mère. Ma mère va appeler Sylvia Bongo. C'est comme ça, quand sa mère a terminé d'appeler Sylvia Bongo, la mère a dit qu'attendait 30 minutes. Même pas 30 minutes. Le bateau, ils ont envoyé un bateau. Donc là, il a un doux. Si dans le bateau là, le chauffeur était un blanc, un tant un blanc, ou c'était un noir. Il a d'abord dit qu'il y avait un blanc au chauffeur. Après, il a dit que non, c'est pas le blanc, c'était le noir. On continue la conversation, on arrive. Deuxième navette. Bien, je vais m'arrêter là parce que c'est la partie importante. Alors, je vais expliquer. Ici, maintenant, il dit quoi? Il dit, Sylvia Bongo a envoyé deux navettes dans le premier, deux bateaux. Sylvia Bongo a envoyé deux bateaux. Donc, le bateau Esther Miracle en train de faire naufrage, dans la panique, il y a quelqu'un à côté qui dit au papa qui est en train d'expliquer enfant que comme toi tu as encore un peu de la batterie dans ton téléphone, appelle ma mère. Parce que nous on fait de la politique, on est du PDG. Nous on connaît Sylvia Bongo. Vous savez que moi j'aime extrabouler un peu la vérité. Mais c'est ça, je n'enlève rien, je n'ajoute rien. Je mets à ma manière, je mets ma sauce. Mais on connaît Sylvia Bongo. Ma mère là c'est la copine de Sylvia Bongo. Appelle. Donc le papa Fang va appeler Sylvia. Va composer, va appeler le numéro de la maman et la maman va appeler Sylvia. Et Sylvia va promettre que je vous envoie deux bateaux dans 30 minutes. La maman va rappeler le bateau, c'est-à-dire que le frère qui sont dans le bateau, je ne sais pas si eux ils avaient un bateau à part, en aparté, hormis le bateau de 150, les autres qu'on est en train de chercher là. Là encore, c'est quelque chose qui me traumatise que je n'arrive pas à comprendre. Mais revenons-en, allons-y doucement. C'est comme ça. Dans les 30 minutes qui suivent, la maman dit, je vous rappelle dans 30 minutes. Avant 30 minutes même, Sylvia Bongo avait envoyé deux bateaux. Le premier bateau, il y avait un blanc. Là où elle, il avait un doute entre le premier, c'était le blanc qui était dans le chauffeur ou le deuxième, c'était le noir. Mais le premier bateau, c'était le blanc qui était le capitaine. On les appelle comme les gens qui conduisent ces bateaux-là. Ils doivent être les capitaines. Mais bon, voilà, le chauffeur. Et le deuxième bateau, c'était un noir. Sylvia Bongo a prêté deux bateaux, a prêté deux bateaux. Pour aller sauver 5 personnes. Lui, il a dit, ah, j'ai vu l'occasion, je ne rate pas, je monte. Donc, comme on dit chez nous, comme un bon opportuniste, il a vu une occasion, on ne peut pas l'en vouloir, parce que quand il faut se sauver, hein, même s'il y a les enfants qui pleurent, tu t'en fous, beaucoup de personnes ne peuvent pas se sacrifier. Les personnes comme moi, comme ça, si je revois qu'il y a une maman qui ne, avec son mari qui ne marche pas, qui sont aveugles, je ne pense pas que moi, ayant les pieds et les mains, je me serais d'abord sauvé et laissé les gens là mourir. Mais bon, ça c'est moi. Mais le papa a jugé bon de profiter de le bateau, des bateaux présidentiels. Les bateaux, deux bateaux qui ont été envoyés de la présidence. Pour sauver 5 personnes. Cet audio m'a énervé à ce moment-là. Cet audio, c'est-à-dire que j'aurais préféré que le papa Okuma Dzanyu. Parce que ma Wodzana, bateau, mine bateau Esther, miracle, ne va se mettre au naufragé. Nga Ali Bongo, Sylvia Bongo, assis Bozap, excusez-moi d'abord, je vais traduire. Sylvia Bongo, assis Bozap. Kona Ali Bongo to informé. Asimona présidence Gabon Vra Alumba Batoba Be Akana Banumburbatan sur 145 personnes. Sylvia Bongo, la présidence Avaralumba Batoba Be. Avaralumba Batoba Be pour sauver seulement 5 personnes. Et tu as le courage de venir faire un tel témoignage. Je ne sais pas si c'est le vrai ou c'est le faux.
affrété deux bateaux, Sylvia Bongo, pour sauver 5 personnes. Qui sont-ils? Qui sont ces 5 personnes? Il a dit, même pas 30 minutes, les bateaux sont arrivés. À peine quand Esther Miracle était en train de faire naufrager. Parce qu'il dedans, il raconte le début. Il raconte que le bateau partait là-bas. Il avait son sac. Il y a une femme qui s'est accrochée à son sac. Elle, il a dit à la femme là que donne-moi mon sac, donne-moi le sac. Après, il a dit que non, je ne vais pas tuer la pauvre femme là à cause d'un sac. Nous sommes en danger. Elle n'a qu'à rester avec le sac là. C'est comme ça, elle a laissé son sac avec tous les papiers. Là où elle est là, il n'a plus de papier, c'est un papa sans. J'ai traduit ce qu'il a dit jusqu'à ce moment-là. Il a dit que non, la vie là, c'est pas comme ça. Je vais laisser le sac là, je laisse mes papiers, c'est pas grave. Mais vous voyez, il faut croire en Dieu parce qu'il y a les miracles de Dieu. Il y a une maman là-bas qui nous avait fait l'église là-bas, Mzama Bora, remercions Dieu. Mais pendant que nous étions dans le stress là, pendant que nous étions dans les paniques, pendant que nous étions dans le bateau en train de couler, il ne dit pas que nous étions déjà au matin. Il dit que pendant que le bateau en train de couler, parce que les secours que sont arrivés le matin là, il n'y avait plus rien. Le bateau était déjà dans l'eau. Donc le papa explique quelque chose, c'est-à-dire que le bateau n'avait pas encore coulé. Le bateau n'avait pas encore coulé, ce qu'il explique là. Le bateau n'était pas encore dans l'eau. Écoutons bien l'explication. Si vous ne voulez pas, je traduis tout simplement ce qu'il explique en français. Je le traduis en français. Il ne dit pas que nous étions déjà dans l'eau. Parce que dans l'eau là-bas, on ne va pas appeler les gens dans l'eau. Le téléphone ne passe pas dans l'eau. Il n'habite pas sous l'eau là-bas avec le monsieur accolé. Ils n'étaient pas dans l'eau. Ils étaient encore debout. Donc Esther n'avait pas encore plongé. Esther n'avait pas encore fait un naufrage. Mais pendant qu'ils étaient encore debout, le monsieur là avait dans le bateau quelqu'un qui connaissait Sylvia Bongo, appelé sa mère. Et Sylvia Bongo a envoyé deux bateaux pour sauver 5 personnes. C'est là où il y a ma question. 5 personnes, sauver 5 personnes. Donc dans le bateau là, il n'y avait pas moyen de sauver, c'est-à-dire que dans deux bateaux, il n'y avait pas moyen de faire des allers-retours avec les mêmes deux bateaux. Il n'y avait pas moyen de mettre au moins 10 personnes sur 100 personnes. Il n'y avait pas moyen de sauver au moins une grande partie des personnes. Dans le bateau que Sylvia vous a envoyé, vous venez à peine de monter encore aux yeux de tous les Gabonais que au Gabon, il y en a qui doivent mourir. Il y a des etc., il y a des chiffons, il y a des privilégiés. Ce témoignage, pour ma part, j'aurais préféré qu'il soit banni, il ne soit même pas diffusé. Parce que ça n'a pas de sens. Quand la présidence envoie des sauvetages pour sauver 5 personnes sur un bateau de 45 personnes, sur un bateau de 45 âmes, je vais savoir qui sont ces personnes qui ont mérité la vie par rapport aux autres. Qui sont ces personnes qui, eux, qui étaient privilégiés de vivre par rapport à ceux qui sont morts. Vous êtes qui? Que vous, on vous sauve, on vous envoie deux bateaux pour sauver 5 minables âmes, si je peux me permettre. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour le Gabon? Pourquoi vos âmes doivent être sauvées par rapport aux autres? Que ce bateau-là était qui? Était le bateau de qui? Était le bateau de Jésus? Le bateau de quel roi qui vous interdisait de prendre d'autres passagers? Pourquoi vous n'avez pas pris d'autres Gabonais qui étaient dans le bateau? Le bateau que tu as dû raconter, est-ce que c'est le même bateau de Esther? Ou bien il y avait un autre bateau à côté? Si c'est ce qu'il y avait un autre bateau, je ferme ma bouche. Ça veut dire qu'encore j'ai encore mis l'émotion là où il ne faut pas. Ça veut dire que j'ai encore mis les émotions là où il ne faut pas. Mais si c'est le même bateau naufragé, Esther, miracle, naufragé du 9 mars que nous sommes en train de parler, ton audio là est un audio qui fait froid au dos. Ton témoignage est un témoignage qui fait froid au dos. Que vous avez laissé 140 personnes. Les autres se sont sauvés eux-mêmes. Les autres se sont démenés avec leur force, avec leur courage. Et que vous avez deux bateaux pour 5 vies. Un bateau prend combien de personnes? C'était quel genre de bateau? C'était les voitures de 5 places. C'est comme les voitures de 5 places. Parce que même les voitures de 5 places là, à la cabine devant là-bas, on peut encore se mettre à côté. Les trois autres derrière là-bas, on peut encore mettre deux personnes derrière. On peut même que quelqu'un peut encore s'allonger derrière. Ça veut dire que même une voiture de 5 places là, on peut mettre 8 personnes dedans si on se sert bien. Le bateau là, c'était quel genre de pardon? C'était quel genre de bateau? C'est comme les voitures sans permis, en train de coucher. C'est quel genre de bateau, deux bateaux qui peuvent transporter seulement 5 personnes? C'est la question là. Je veux que l'État gabonais vienne nous répondre sur cette question. Sur ce détail là, l'État gabonais doit nous donner les explications sur ce détail.
Donc Sylvia Bongo a quand même été informée que les Gabonais sont en train de mourir au large des côtes de Libreville. Mais comme c'est sa copine qui l'appelle pour sauver son fils et qu'elle s'en fout du bien-être des Gabonais et qu'elle s'en fout de sauver même la vie des Gabonais, elle n'a pas jugé bon que dans les deux bateaux que je vais envoyer, un bateau conduit par un blanc, un autre bateau conduit par un noir, fallait même dire que le bateau conduit par les noirs là fait au moins 10 tours pour transformer au maximum de personnes. Et toi, le bateau conduit par le blanc, va chercher l'héritier du trône gabonais, qui était le papa pédagiste ou je ne sais pas qui était dedans. Il fallait au moins faire un effort de sauver un grand homme. Vous avez fait exprès de sacrifier les Gabonais. Vous avez fait exprès de tuer les Gabonais. Parce que si Sylvia Bongo était au courant à 2h, 3h du matin, c'est que Ali Bongo était informé. C'est qu'il savait que les Gabonais sont en train de mourir. Libreville, les points de nuit à Libreville, c'est pas loin. Les côtes de Libreville, c'était, même si c'était une heure en bateau, une heure, de la même manière, vous avez envoyé les bateaux, même pas 30 minutes, pour aller sauver 5 personnes. Donc, vous savez très bien que vous avez des équipements pour sauver tout le personnel qui était dans le bateau. Voilà. Voilà comment on va nous, le peuple gabonais, obligé de commander quelque chose dont nous avons le droit d'avoir. Nous sommes dans notre légitimité d'être secourus par notre pays. Votre président que vous appelez Monsieur Ali Bongo a été informé dès la première minute de votre situation. Votre première dame qui demain vous irez danser pour elle a été informée dès la première minute, mais a préféré sauver l'enfant de sa copine. A préféré, comme toujours, sauver leur lien de sang, le lien de sang sorcier, sorcellerie. Mais pas l'amour du Gabon, pas l'amour de vous, peuple citoyen, peuple lambda que je suis, pas pour vous. Pas pour les jeunes garçons, j'ai vu un jeune garçon dedans. Pas pour ces jeunes garçons-là. Ça dit que même si cette personne, je ne sais pas si cette histoire est réelle. Je ne sais pas si cette histoire vraiment racontée est réelle. Ça veut dire que même s'il y avait un bateau pour venir prendre seulement 5 personnes, il y avait un père, une mère, handicap, aveugle, vous ne pouvez pas les prendre. Il y avait des enfants dedans, vous ne pouvez pas prendre des enfants. Donc les enfants aussi sont des hippopotames. Allez envahir le bateau. Vous ne pouvez pas aussi sauver un enfant dedans. Vous ne pouvez même pas sauver, comme on dit dans les trucs, les femmes d'abord, les enfants d'abord, les aveugles d'abord, les malades. Il fallait même prendre un. Même le petit Kéry a dit qu'à peine ma mère là, vous ne pouvez pas le laisser, que tu sais nager, nage. Oh! Voilà. Vous voulez qu'on vous soutienne comment? Vous voulez même qu'on soit là comment? Quand vous-même vous faites déjà les choses embrouillées, quand tu sors même là-bas, tu viens témoigner à cela, je ne sais pas, et puis vous partagez même ça pourquoi? Est-ce que vous vous entendez écouter? Je dis que mais pourquoi on partage un audio qui fait mal? Un audio même qui appelle, c'est-à-dire que non assistance en personne en danger. Je ne sais même pas si vous avez mesuré même les répercussions de cet audio-là. Ça veut dire même que la personne là qui est montée, qui témoigne, a fait non-assistance en personne en danger. Il pouvait exiger à ce bateau que je ne monte pas si vous ne prenez pas cela. Non-assistance en personne en danger. 5 personnes pour 2 bateaux. Mais non, ce n'est pas Dieu qui t'a sauvé. Ce n'est pas Dieu qui t'a sauvé. Ce n'est pas Dieu qui t'a enlevé de là. C'est ta cupidité à profiter, c'est ton opportunisme à profiter d'une situation qui s'est présentée et tu as grimpé et tu as laissé les autres. Ce n'est pas Dieu. Dieu a sauvé ceux qui sont dans les mers là, qui sont en train de nager. Ça, c'est les miracles de Dieu. C'est pas la peine de parler de Dieu dans ton audio. Je dis, nous avons Abilam, il peut le boulot ici. A quand on a commencé à ouvrir, à 3h du matin, ben nous bâtons notre bain. Bien nous voulons bâton, on va voir même les mendiants, bien lire ma calza. On va voir, il va même lire, il va lire ma calza. Il y a un soir, il dit comment on va voir, on dit
ma témoignage, wa témoignage nze, ya zamanya o vola, sera zamanya o vola ali bongo, ba Sylvia, bo me parmi le vola. Toujours les privilégiés, toujours les privilégiés. Aujourd'hui, le témoignage que tu fais doit être nul sans avenue parce que ce n'est pas un témoignage réel, ce n'est pas un témoignage sincère. Tu n'as pas été sauvé par Dieu, tu as été sauvé par la cupidité parce que Sylvia Bongo a jugé bon de sauver l'enfant de sa copine et tu as profité de l'opportunité qui s'est présentée, laissant les vieux, les vieillards et les enfants qui se meurent dans l'eau. Pour sauver deux personnes, un bateau, deux bateaux pour sauver cinq personnes. On a vu ça où? On a vu ça où? C'est quel mauvais cœur que vous avez au Gabon? C'est quelle méchanceté que vous avez dans ce pays? Comment vous arrivez à dormir? Comment tu peux dormir sachant que tu as laissé des gens dans le bateau? Comment tu arrives à dormir sachant que vous avez abandonné tout un bateau? Comment vous arrivez à trouver le sommeil? Impossible! Donc, je me pose même la question, si le Diola n'a pas été trafiqué, si les choses n'ont pas été extrabolées, si l'histoire que Sylvia a envoyé deux bateaux là, si ce n'est pas une histoire inventée pour se faire bien voir. Parce que là, c'est choquant pour la nation. Hein? Si vous n'avez pas vu ce détail, je vous le dis, c'est choquant. Pour ma part, je trouve ça choquant. Je trouve ça vraiment très choquant. Et ça mérite des poursuites judiciaires. Les deux bateaux qui sont venus chercher les cinq personnes là méritent des poursuites judiciaires pour non-assistance à personne en danger, pour avoir laissé les autres mourir. Les familles des victimes là doivent le faire. Vous comprenez mes chers tous? Toujours un pays divisé entre les riches et les pauvres. Donc Sylvia est informée. Voilà pourquoi le matin, Sylvia s'en fout. Elle va fêter l'anniversaire. Elle ne fait même pas un poste. Elle ne va même pas faire un poste de condoléances. Allez-y regarder sa page. Si elle a fait, c'est maintenant là, peut-être à mon réveil. Même pas un poste depuis le 9. Même pas mes condoléances depuis. Même pas un message, même pas un discours, même pas un communiqué parce qu'elle est au courant depuis l'avènement. Parce qu'ils sont informés. Et c'est le même peuple là, le même peuple gabonais. Vous les mamans, Sylvia va mettre sa bêtise de cancer ou de cancer. Vous irez danser quelqu'un qui a laissé vos enfants mourir pour aller sauver l'enfant de son ami. Vous irez danser pour cette dame là. Vous irez encore trépiner. Oh maman Sylvie, Mandela, ouais. Oh maman Sylvie, oh yaya, Limongo. Vous, le peuple gabonais, vous irez danser, vous faites chier les gens finalement avec votre misère. Vous êtes incapables vous-même de. J'ai dit que marchez, allez-y à la présidence maintenant que vous savez que Sylvia vous a tué. C'est Sylvia et les Momo qui vous ont tué. Ce n'est pas Esther qui vous a tué, c'est Sylvia. Ce n'est pas Esther qui vous a tué, c'est Sylvia Bongo qui a fait naufrager. Parce qu'elle veut que son mari se présente. Donc, elle est celle qui vous a tué. Il n'y a pas une marche. Il n'y a pas une marche. Il n'y a pas de maman en colère. Il n'y a pas de papa en colère. Il n'y a pas quelqu'un pour s'élever. Il n'y a pas quelqu'un pour aller faire, je ne sais pas, des tas de quoi chez Sylvia. Il n'y a pas quelqu'un pour me frapper cette momie là-bas. Il n'y en a pas. Le peuple là va souffrir jusqu'à quand? Vous allez vous réveiller quand? Quoi? Il vous faut quoi? Combien de Gabonais doivent mourir pour qu'on se réveille? Combien de Gabonais doivent être sacrifiés pour qu'on se réveille? Combien de Gabonais? On doit être combien de notre quota? Comme ça, on va faire attention. Et le quota n'est pas encore atteint. Le quota n'est pas encore atteint. Hein? Mon peuple, est-ce que le quota nous est pas encore atteint? On regarde comme si c'est les choses qui se passent dans notre pays. Vous avez entendu qu'une première dame envoie deux bateaux pour sauver cinq personnes sur un bateau de 150 personnes. Mais ça, c'est un élément. Même le pays a dit aller brûler. Ah bon? Donc nos enfants sont de couillons. Donc nos enfants sont de moins que rien. Ah. Donc, elle a dit quoi encore dedans?
Il a continué son audio, mais moi je me suis arrêté là, j'ai essayé d'écouter encore un peu. C'est encore connecté avec le téléphone. Je me suis arrêté encore un peu à cette partie-là qui m'a un peu, qui m'a beaucoup énervé, d'où ce live-là. Parce que je trouve quand même que faire semblant de voir Ali Bongo auprès des victimes, comme s'il n'était pas informé, comme s'il apprenait la nouvelle même à l'instantané, alors qu'il est informé depuis longtemps, alors que dans le bateau, il avait son compagnon, comment vous appelez ça, son camarade dans le bateau. Et son camarade a, tu peux rejouer l'audio. Ça c'est qu'on était encore sur le Bluetooth là-bas. Attendez, j'ai rejoint. Je vais repousser. Je vais repousser à la partie où il informe. Voilà. Il faut attendre un peu, là, il sécher là, pour former un numéro, bien nous répondre à un appel. Mais tu me racontes que toutes les 5 secondes, je me dis, oh, je me dis, je suis bateau, voilà, et moi, je me dis, que tu y es, ma mère, c'est vraiment bon. Mon vieux, bébé, bébé, toi, bon, venez, vous voyez la politique et tout, à la demande, là, la réunion, ouam, béissa, ouam. Dieu, mais Sylvia, bon, vous voyez, je vais traduire, excusez-moi, on n'est pas tous sans. Donc il disait, quand j'étais encore dans, quand l'eau a commencé, toutes les secondes, l'eau ne faisait que rentrer dans le bateau. Toutes les secondes, l'eau ne faisait que rentrer dans le bateau. Donc c'était impossible d'avoir vraiment le bateau, le téléphone sec. Donc, à un moment donné, la personne qui était avec eux a dit, s'il te plaît, appelle mon père et ma mère. On se connaît, on est amis avec Sylvia Bongo. Voici là, on est amis avec Sylvia Bongo. Appelle mon père et ma mère, ils vont trouver une solution. C'est lui qui explique ça. Appelle ma mère que je vais mourir. Elle va nous envoyer un bateau. Moi encore la question à Teranzam. Papa, oh, quand tu étais dans le bateau là, si vous étiez seulement à deux, ou bien vous étiez seulement le bateau là avec 5 personnes. Hey. Moi je ne sais pas comment vous arrivez à faire du mal aux autres. Donc, vous étiez qu'à deux dans le bateau là ou bien à 5. On continue. Il y a les Sylvia Bongona. Allez, il y en a les Sylvia Bongona. Donc, quand ils ont appelé la maman, il a pris le téléphone, il a dit, maman, informe Sylvia Bongo que nous sommes en train de mourir. Maman, oh, informe Sylvia Bongo, nous sommes en train de mourir. Elle n'a qu'à venir nous sauver. C'est ce qu'il est idiot. Je ne sais pas si le papa là, et Strabol, hein? Je ne sais pas si c'est un comédien, je ne sais pas si c'est un menteur professionnel, mais là, moi je suis sidéro. On a attendu un peu. Donc c'est comme ça la maman dit, je vous rappelle. Quand la maman essaie de rappeler, lui n'arrive pas à décrocher parce que l'eau a mouillé son écran. Donc, il a du mal à décrocher parce que l'eau a déjà mouillé son écran. C'est comme ça, la maman réessaye plus tard. C'est, ma tra- c'est la bonne tradition que je fais là. C'est mon sens. Parce que n'y a pas beaucoup insisté. Elle n'y a pas allé. Elle n'y a pas allé. Elle m'a décroché. Elle a vu bien là. Mille vies de manière quand. Il a tabac avec. D'ici 30 minutes, le bateau est à Michel Marine Mazenomine. C'est comme ça, la mère a insisté d'appeler, appeler, puisqu'il n'arrivait pas à décrocher. Mais finalement, la mère a réussi à, il a réussi à décrocher. C'est comme ça, la mère rappelle et demande, vous êtes à quel niveau? Il dit que nous sommes vers Michel Marine. Ma énième question, c'est que, vous étiez dans quoi? Dans le bagalo, vous appelez ça comment? Dans les bateaux gonflants là? Ou bien dans le même gros bateau Esther? Parce que là, il y a quand même nuance, il faut que je sache quand même un peu. D'accord? Quand tu appelles là, quand le maman est venue, le bateau là, c'était encore dans le bateau de Esther, ou bien vous avez déjà sauté du bateau de Esther, vous étiez déjà dans les gonflants, dans les bateaux gonflants, là, les bateaux gonflants. Parce que je ne sais pas à quel niveau, là, il n'y a pas de précision. Si c'est dans le bateau Esther, ou c'est dans le bateau
dans les canaux de sauvetage, c'est comme ça on les appelle. Est-ce que vous étiez déjà dans les canaux de sauvetage ou bien c'était dans le grand bateau? Parce que si c'était dans le canot de sauvetage et que vous êtes vraiment sain, c'est que la femme qui a pris ton sac au début là-bas, qui s'est accrochée à ton sac, et que le papa est aveugle et infirme là, c'est que tu ne pouvais pas les voir. Vous tous là, vous ne pouvez pas descendre dans le bateau, dans les canons de sauvetage comme vous voyez là, non? Donc du coup, on comprend bien. Est-ce qu'on est bien d'accord? Je dis bien que si c'est un audio et réel, je ne fais qu'interpréter ces dires. Voilà, donc c'est comme ça la maman demande que vous êtes à quel niveau? Il répond... Le fils répond que nous sommes vers Michel Marine. La maman dit que attendez-moi là. Attendez-moi là. Dans 30 minutes, on vous envoie un bateau. Je repose la question, papa. Attendez-moi là que vous étiez à Michel Marine là. Vous étiez dans Esther, Miracle, ou bien vous étiez déjà dans les canaux de sauvetage. Est-ce que vous avez déjà sauté du grand bateau pour nager vous-même dans les canaux de sauvetage et puis vous êtes retrouvés, vous cinq là-bas, vous êtes retrouvés cinq au milieu de la forêt, au milieu de la mer. Et comme ça, quand vous étiez dans la mer là-bas, vous avez pu appeler où vous étiez encore tous dans le même bateau. Parce que quand tu racontes au début, ça a l'air d'être dans le même bateau, Esther. Ce que je me fais entendre, quand tu racontes ton épopée dès le début, tu es encore dans Esther. À quel moment tu as sauté de Esther pour vous retrouver sain, pour combien vous délivrez vous sain? On continue. D'ici 30 minutes, le bateau, il y a Michel Marine Mazenomine. Allez, moi, comme ici. Avant même les 30 minutes, il faut que deux navettes de Michel Marine dans la sauce. Première navette, un temps, il faut un coup. Ou bien il faut. Aïe, un seul mot, il faut. Pas un temps, il faut un coup. Après le moteur là. Deuxième navette, il faut un seul mot, il faut un coup. Allez, vas-y, non, Dieu. Une navette, ben, pour vous, tant. Il y a une navette, nous sommes en acte, mais il y a un acte, il y a donc, quand ils ont appelé, 30 minutes, même pas 30 minutes, donc on va dire 10 minutes plus tard, ou 20, 15 minutes, les bateaux sont arrivés, deux bateaux pour 5 personnes. Il explique lui-même, c'est pas moi qui lui dis que le bateau est bien à Kaliburubetan, donc deux bateaux pour 5 personnes. Donc, les deux bateaux sont arrivés. Le premier bateau, c'était un blanc qui était dedans. Le deuxième bateau, c'était un noir. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des bateaux. Ce sont, je ne sais pas, ce sont les scooters. Parce que dire que deux bateaux vont venir pour sauver cinq personnes, donc un bateau prend deux places et demie. Donc un bateau prend deux places et demie. C'est ça, non? Voilà, si vous étiez cinq et que c'est vient envoyer deux bateaux pour sauver cinq personnes, c'est que ce ne sont pas des bateaux, ce sont les scooters qu'on a envoyés pour vous sauver. Bref, même les scooters là, on peut mettre quand même deux personnes derrière deux. Mais bon, je ne sais pas trop. J'ai la tête, je suis dans les... Je suis perdu. Donc, quand il a vu ça, il a dit, ah, moi, je ne vais pas rater l'opportunité. Je vais monter dans la navette. Là, ce qui peut encore se passer derrière moi, là, je ne suis plus dedans. Donc, écoutons un peu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que non, il n'était plus dans le bateau. Écoutons son français, son fan. Peut-être que vous ne comprenez pas le fan. Moi, je traduis ce qu'il dit mot pour mot. C'est mon fan. Ce n'est pas le fan de Yem. Ce n'est pas le fan du Nord. C'est le fan de Makoku. On parle le même fan. Il dit, quand le bateau est arrivé, il a grimpé, il a profité et il a dit, ce qui peut encore se passer derrière moi, je ne suis plus dedans, je suis déjà sauvé. Donc ça veut dire que s'il avait déjà été sauvé par le premier, qu'en disant que les cinq qui restent derrière là, puisque le bateau, les deux bateaux sont venus spécialement pour eux, donc il ne peut pas dire que je ne suis plus dedans, puisque forcément il sait que les cinq seront sauvés. Donc ils n'étaient pas dans le canot de sauvetage. Ils n'étaient pas là, il ne peut pas parler comme ça. Ça dit que il n'y a pas de, c'est pas logique. Si tu attends déjà combien te chercher dans le bateau, pourquoi tu as dit que non? Ce qui peut maintenant passer derrière, puisque la présidence est venue vous chercher. Vous êtes sauvé, tu es privilégié, tu as eu la chance de se retrouver avec l'ami de Sylvia Bongo. Donc tu ne peux pas, ce n'est pas le fan de l'SIA, c'est le fan de Makoku. Donc tu ne peux pas se retrouver, bon après l'SIA ou Makoku, on parle à peu près pareil. On est, voilà. Donc c'est un peu ça, donc c'est la personne qui a demandé un peu l'audio, donc c'est un peu ça, et puis on continue. Bon, là, papa, tu n'es pas un témoin vivant. Où sera témoin? Où va donc du même temps, mais bon, balena, chance, abora, m'vè, babadzam. Nous avons une chance que tu as à côté, il y a un abel
Ndjimdji oui, il n'y a pas d'une alerte nyaouma. Akawo aso avec le téléphone aso avec la loi allo. Nya rabele e connaissance ou non allo allo ya. Wa alenya, nya nya akle kele bongo. Bon, nya akle tive bateau. Ça c'est un. C'est passé donc voici un peu cet épisode là. Moi je sais pas trop si c'est moi qui comprends mal les choses ou c'est lui qui explique mal les choses, parce que selon ce qu'il explique, pour moi j'estime qu'il y a eu encore là non assistance en personne en danger. Pour moi j'estime que ce détail est un délit. Pour moi voilà, c'est un délit, même s'ils étaient déjà, et encore je dis même, et encore, c'est encore pire. Ça veut dire que même s'ils étaient déjà dans le canot de sauvetage, ça veut dire que ce bateau avait l'obligation de continuer à chercher les autres qui sont là. Ça veut dire que ce bateau avait l'obligation, parce que le bateau Esther ne transportait pas que 5 personnes. Ça veut dire que les deux bateaux que Sylvia Bongo aurait envoyé, même si ces personnes n'étaient plus dans Esther, ce bateau avait l'obligation de continuer des recherches après avoir sauvé les privilégiés de l'État et continuer et alerter maintenant d'autres services que on a à faire. Nous étions dans la mer là, nous avons pu repêcher 5 personnes qui se sont retrouvées dans le bateau, dans les canaux de sauvetage, mais il y a encore plusieurs des personnes dans l'eau. Venez nous retrouver, allons-y chercher les Gabonais qui sont dans la mer. Donc peu importe les excuses que vous voulez donner au papa là, il n'y a pas d'excuse dedans. Ça dit que la première excuse, il n'y a pas. La deuxième, il n'y en a pas. Que dans le bateau, c'est pire, c'est qu'ils ont laissé 150 personnes mourir. Hors du bateau, c'est pire, c'est qu'ils n'ont pas voulu venir chercher ceux qui sont dans la mer. Il n'y a pas d'excuse, peu importe la voie, il n'y en a pas. C'est que c'était préparé, c'est fait exprès. Parce que moi, vous et moi, on est pareil. Vous partez quelque part, même dans l'accident, vous faites l'accident. Tu ne peux pas dire que tu as vu l'accident, tu vois l'accident, tu as le courage d'appeler les pompiers, mais tu ne peux pas aller regarder ce qui se passe. Tu ne peux pas aller regarder s'il y a un enfant qui est en train de mourir dedans. Tu ne peux pas regarder s'il y a quelqu'un que tu peux sauver. Mais tu passes et tu vas devant toi te dire que j'ai vu l'accident. Les gens vont te demander des renseignements que dans l'accident, est-ce que tu as vu qui est dedans? Est-ce que tu dis non, je suis passé seulement, j'ai vu. Donc c'est faux. Parce qu'une âme normale, tu ne peux pas dire que j'ai été sauvé, mais j'ai laissé les autres mourir, ce qui peut se passer, ne me regarde plus. Peuple gabonais, nous avons le cœur lourd, nous avons les esprits de méchanceté, nous avons les esprits d'avarice, nous avons la cupidité. Peu de Gabonais sont courageux, peu de Gabonais peuvent mourir pour les autres. Tout le monde est chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, je me contente de ma famille. Madame Sylvia Bongo, toi qui ne mérites même pas d'être première dame de la République gabonaise, au même titre que celui que tu appelles ton mari, qui n'est pas le président des Gabonais. Vous avez usurpé le pouvoir là. Vous avez volé, tué les Gabonais pour être là. Vous devez même faire semblant pour compatir au malheur des Gabonais. Vous devez faire semblant pour être avec nous, toi Sylvia Bongo, parce qu'on t'a accepté dans notre pays. Je ne vois pas quelle première dame en Europe là-bas qui soit de ma couleur de peau. On t'a accepté malgré ça, parce que nous au Gabon on accepte tout le monde, parce que nous au Gabon on accepte la merde, parce que nous au Gabon on accepte tout et rien. On t'a accepté. Mais quand nous on souffre, tu es incapable d'aller mettre quelque chose dans ton truc, ni pour être là, ni même pour mettre une cellule d'urgence. Je regarde là-bas, j'ai mis une petite équipe à Kamayong là-bas sur place. Il n'y a pas de cellule d'urgence, il n'y a pas de cellule de quoi, il n'y a pas de cellule de centre de soutien de famille, il n'y a rien, il n'y a rien. Vous ne faites rien. Bilibize, on m'a dit que tu étais là-bas, mon équipe t'a vu là-bas. Mon équipe t'a vu là-bas. Toi, Bilibize, tu vas faire quoi? C'est toujours comme ça, vous tuez les gens et puis vous venez vous balader. Vous venez défiler comme si les malheurs des gens, on doit vendre les malheurs des Gabonais. Comme si on devient une marchandise, on se retrouve maintenant à la tête négrière. Malheur par-ci, filmé et montré. Malheur par-ci, filmé et montré. Comme si tu n'étais pas informé. Comme si tu ne savais pas que les Gabonais sont morts. Comme si tu ne savais pas. Comme si tu ne peux pas, toi, Bilibize, dire que je vais mettre les choses en place pour fouiller ce qui reste. Tu vas faire quoi là-bas au port? Tu vas faire quoi au port? Vous partez faire quoi là-bas? Est-ce que c'est là-bas qu'on a besoin de vous? Est-ce que c'est là-bas qu'on doit vous voir? Non! Comme toujours, vous brillez par votre absence partout.
C'est les mêmes Gabonais là demain. Tu vas les voir là demain, tu vas danser pour Sylvia. Toko, 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 toko. Je ne sais pas qui nous bouffe. Je ne sais pas si on est normal. Je ne sais pas si notre pays là, on nous a vendu à la tête. Non, 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 non. Nous, on nous a vendu à la création. On nous a vendu à la création de notre pays. On nous a vendu. On a vendu nos âmes au diable. Que peu importe ce qu'on va nous faire. On pleure pas. Non, nos pleurs durent 24 heures, 48 heures. Après, là, vous allez voir, les gens vont oublier le naufrage, là. Demain, c'est fini. Yaya Ali, voici les élections. Tous les Gabonais vont oublier que Ali Bongo n'a pas sauvé les Gabonais. Les gens viendront. Je vais vous voir debout demain, en août. Vous serez tous là en train de boire et danser avec le nom d'Ali Bongo, Ndimba. Vous serez là et applaudir Sylvia Bongo. Vous, les miséreux peuples que nous sommes. C'est vous, c'est avec vos esprits qu'on joue ici dehors. C'est avec nos âmes qu'on joue ici dehors. C'est avec nous. Mais c'est nous demain. À quoi des boîtes sardines? Vous ne pensez pas que c'est fait exprès? Ils font exprès pour vous maintenir dans la pauvreté. Ils font exprès pour vous maintenir dans cet esprit de pauvre, pauvre intellectuellement, pauvre en tout. Et pauvre matériellement, c'est fait à dessein. Pour que vous n'ayez pas le courage de les combattre là où ils sont bêtes. Là où ils ne réussissent pas, pour que vous n'ayez pas la force de les combattre, parce qu'un peuple instruit est un peuple dangereux. Mais comme la plupart c'est les villageois, la plupart c'est les gens qui sont avares, c'est les gens qui sont ya, chez nous les femmes de ma belle Naya ya. Ya nengo ngo awonze, wa wota fona zamba kobo, wi wota fona zé, bela djinti kri, ma bela djinti kri, fova ya. Ils utilisent notre ya, notre gourmandise, pour faire de nous des pions, pour faire de nous de la merde. Je suis en train de partir. Si on pouvait se lever, qui vous interdit de se lever? On peut se lever à libre vie. Qui interdit les Gabonais de se lever? Hier, quand je parlais de ça, il y a quelqu'un qui est venu me dire, t'as qu'à clair. C'est interdit de manifester. Ah bon? Ah bon? Vous ne savez pas que les manifestations spontanées? Il y a des manifestations spontanées? On a besoin d'aller demander une permission qu'après avoir tué les enfants, vous devez vous retrouver au port. Le port de Libreville devait être rempli par les 9 provinces du Gabon. Et vous, chers étrangers vivant au Gabon, vous-même là, je ne sais pas. C'est vous, hein. Chers peuple étrangers vivant au Gabon. Vous, à chaque fois que les Gabonais ont des malheurs, vous, c'est comme si vous n'êtes pas concerné. Vous ne pouvez pas vous lever avec les Gabonais en même temps. Vous ne pouvez pas, parce que nous, les Gabonais, là, on est comme on est. Vous ne pouvez pas, à Camerounais, à Nigériens, à Sénégalais, levez-vous, soutenez les autres. C'est votre pays maintenant. Le Gabon est dorénavant votre pays. Vous êtes bien quitté chez vous pour venir au Gabon. Moi, en France, là-bas, quand la CDG fait les grèves là-bas, je suis dehors là-bas. Vous me voyez souvent. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je grève avec eux. Je suis dehors avec les drapeaux. Je grève avec les retraités. Je grève parce que je sais que moi aussi, je suis dans ce pays. Je mérite aussi, comment on appelle, les droits de ce pays me sont aussi concernés. Quand les Français font grève, je fais, moi, là, je prends mes deux pieds, je m'en vais me balader à Paris, j'ai le drapeau en l'air là-bas pour on dirait que je suis française. Non, parce que j'estime que j'ai intégré ce pays-là, j'ai accepté les valeurs de ce pays, alors je fais partie prenante de ce pays. Les malheurs de ce pays me concernent, les souffrances de ce pays me concernent. Lorsqu'on tue un enfant français, que tout le monde est dehors, tout le monde est libre, clairement, je suis libre, je suis française, parce que je me sens impliquée à la vie française. Mais vous, vous êtes au Gabon, vous ne vous sentez jamais impliquée au malheur des Gabonais, pourquoi? Vous ne vous sentez jamais impliqué, pourquoi? Vous êtes dans vos maisons, vous regardez comme si quoi? Comme si, comme si quoi? Autant que vous êtes, levez-vous, Sénégalais, Camerounais, Béninois, Chinois, levez-vous, Français, levez-vous, allez-y au port, levez vos couilles, levez vos cornes, levez vos corps, levez-vous, soutenez les Gabonais, on vous a donné notre sol, vous devez être là pour nous, levez-vous, arrêtez de nous regarder comme si quoi? Quoi? Putain de merde! M'en vais. Claire, le raciste dans l'ADN. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. Je suis réaliste. Les gens qui ont peur de dire les mots, c'est parce qu'ils ont peur de quoi que ce soit. Je suis réaliste. Je suis aujourd'hui en Angleterre. Si mes doigts sont bafoués, je vais marcher avec des Anglais parce que je me sens concerné. Si on tue quelqu'un qui est dans mon environnement, c'est que demain, c'est mon enfant. Je vais marcher. Je vais réclamer, je vais soutenir ce peuple-là. Parce qu'ils m'ont accordé le comment on appelle, le sol. Ils m'ont accueilli.
Leurs malheurs, ce sont aussi mes malheurs. Je suis désolé. Je suis réaliste, je ne suis pas raciste. Je ne connais pas comment on déteste les gens à cause de leur couleur de peau. Mais je sais appeler un chien par son nom. C'est que beaucoup de personnes vont jouer des mots là pour, parce qu'ils vont avoir peur pour faire semblant que soyons unité communautaire, mensongère à la con, parce que vous avez peur des gens. Quelqu'un me nourrit. Si j'ai envie de dire à quelqu'un que tu es dans mon pays, tu as le droit de participer à la vie active de ce pays, tu as le droit d'assister, tu as le droit de le faire. Tu as l'obligation même de le faire. Ce n'est pas du racisme. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas raciste au Gabon, c'est le peuple gabonais. Les Gabonais ne connaissent pas le racisme dans notre ADN. Jamais. On est des bouffeurs qu'on nous a bouffé la naissance. On connaît même que racisme, même qu'au Gabon. Nous, au Gabon, on connaît le racisme. Si les Gabonais étaient racistes, ce n'est pas longtemps, même il n'y aura pas des étrangers. Ou le Gabonais lui-même, on compte même le Gabon au pays. Chaque mètre carré, tu comptes comme ça, tu vas voir entourer les Congolais, les Camerounais, et tu vas compter, tu vas seulement voir deux Gabonais. C'est un pays raciste qui est envahi par tous les aliens du monde, et même ils ne sont même pas nombreux. C'est ça qu'on appelle pays raciste. J'appelle chaque chose par son nom. C'est ce que moi j'ai. C'est que moi j'appelle chaque chose par son nom. Les étrangers qui sont au Gabon abusent. Quand on tue les Gabonais, même pas une marche pour marcher avec nous. Quand on fait quoi, même pas pour marcher avec nous, ils sont toujours là à regarder. C'est pas nous tous on est ici en France. C'est pas nous tous on était ici en France. On a violé, tué la petite française tout récemment, il y a 2 mois ou 3 mois là. C'est pas vous, j'ai vu beaucoup de gens mettre des poses. Vous la connaissez? Vous connaissez la petite fille, Léona ou quoi, que l'arabe l'a violée, tuée, découpée. Vous la connaissez? Mais vous avez fait des poses rip sur ça, non? Vous êtes senti concerné, pourquoi? Parce que ça vous a touché, non? Parce que vous vous sentez impliqué, non? Mais alors, pourquoi elle ne peut pas le faire au Gabon là-bas? On a besoin d'être Camerounais pour dire que non, je suis pour le Cameroun. Hein? Martinez Zomo là-bas, c'est pas les Gabonais, sont, je suis Martinez Zomo. Hein? Vous êtes Camerounais? Est-ce que vous êtes Camerounais? Vous le connaissez? Non, vous ne le connaissez pas. Pourquoi ça vous touche? Ça vous touche pourquoi? Mais donnez un peu des explications à ça avant de venir leur donner des explications. Vous, ça vous touche pas le Gabonais, pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Parce qu'on compatit souvent à chaque fois aux douleurs des autres. Qu'ils soient Gabonais ou pas. Peuple tous, je vais vous laisser, mes chers tous, je suis parti par là. J'appelle à SOS Secours. Vous avez vu le lien PayPal épinglé et le Airtel Money. Nous avons mis une petite équipe au Gabon pour soutenir du mieux que nous pouvons. Voilà. Si vous avez envie de faire partie de cette équipe-là, vous me contactez. Vous allez rejoindre les bénévoles qui sont au Gabon. Si vous avez envie de participer financièrement ou matériellement, bien sûr, vous me contactez aussi. Nous avons aussi besoin de tout ça. C'est tout simplement pour essayer de mettre un peu l'état d'urgence autour du port et venir en aide aux gens qui sont là-bas. Donc, n'oubliez pas, si vous avez envie, si votre esprit de compatriote, de citoyen gabonais, habite encore vos esprits, nous aimerons quand même que vous soyez massivement au port là-bas pour soutenir ceux qui sont là-bas, parce que c'est pas assez, voilà, c'est pas vraiment assez. L'abondance aussi ne nuit pas, parce que c'est pas seulement aller donner les eaux, l'eau, les pains et tout ça. Il y a la suite de ça. Ces personnes-là sont traumatisées à vie, et c'est là où on aura besoin de tous les intellects là, les psychologues, les machins, les suivis machins, les suivis, tout ça. Il y aura beaucoup de choses qui doivent être mises en place pour ça. Ne soyons pas seulement les gens qui viennent après on disparaît, comme vous voyez, comment on appelle ça, le miel là, quand on a séché le miel et puis les abeilles s'en vont, il n'y a plus rien, il reste que la peau morte. Ne soyez pas comme les abeilles qui viennent seulement quand il y a le miel là et puis ils s'en vont. Non, soyons là, les gens qui doivent être là du début jusqu'à la fin, avant, après et pendant, jusqu'à accompagner des personnes. Donc j'ai mis le PayPal d'Akamayon et le RTL de la représentante d'Akamayon au Gabon. Donc vous pouvez tout simplement participer. Et nous, on a déjà commencé depuis hier et aujourd'hui. Donc, vous pouvez tout simplement venir nous rejoindre dans cette action-là pour aider nos naufragés au Gabon. Alors, Sylvia Bongo Ndima, j'estime que pour une soi-disant première dame, vous avez encore failli. Donc, il n'est pas trop tard. Je ne vous supplie même pas de le faire parce que j'avais un autre état d'esprit pour cela, mais je me suis arrêtée plus à analyser la sortie du compatriote. Je trouve que sincèrement, le peuple gabonais, vous devez arrêter désormais ou dorénavant appeler Sylvia Bongo, Mama Sylvia. Ne partez plus danser dans ces choses. N'allez plus dans ces meetings. Si les gens-là vous négligent, vous devez les négliger. Si ces personnes-là vous méprisent, vous devez les mépriser. Un pour un, dans
dent pour dent. Personne n'est votre maître. Personne n'est détenteur ou détentrice de votre vie. Vous êtes vous-même maîtresse et maître de vos vies. Si vous font chier, vous les faites chier. Si Sylvia ne considère pas le peuple gabonais comme sien, ne considérez plus Sylvia Bongo comme votre première dame. Peu importe les événements que Sylvia Bongo va faire. Où je parle là, nous sommes combien mars aujourd'hui? Demain, je vois Sylvia Bongo. Moi, clairement, vous mourrez, vous souffrez, vous cabinez, on vous tue, on vous fait quoi? Je ne parlerai plus de vos problèmes parce que vous serez les personnes qui livrent, qui partent livrer vos enfants et vos souffrances à vos bourreaux. Voilà. Donc, à partir du moment que tu acceptes que Sylvia soit ton bourreau, je vais t'interdire plus jamais de venir embêter les activistes. Si quelqu'un me contacte, même je prends la caméra, je t'insulte parce que tu es allé t'allier à Sylvia Bongo Ondimba, sachant que cette même Sylvia n'a pas fait le deuil national. Aujourd'hui, ils sont incapables de décréter le Gabon comme deuil national. C'est vous, en inbox, c'est vous, les réseaux sociaux qui avez du deuil national. La présidence n'a pas communiqué sur ça. L'État n'a pas communiqué sur ça. Aucun. C'est vous, c'est nous. Vous, là, sur les réseaux sociaux, c'est nous qui décidons que c'est deuil national. Ils s'en foutent parce que pour eux, ce n'est pas un deuil national. Pour eux, c'est un sacrifice gagnant. Ils ont gagné, ils sont contents. Alors, next. Je suis partie, les amis. Je vous apprécie énormément. Merci à tous d'avoir été vraiment là pour ce live. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager et de contribuer aussi à l'événement. Je ne vais pas, bien évidemment, vous demander de s'abonner. Si vous avez envie de le faire, n'oubliez pas, parce que je ne parle pas, bien sûr, des morts tous les jours, mais si vous avez envie de s'abonner, faites-en, ça ne va pas aussi me déplaire. Sur ce, je vous recommande de passer un bon dimanche. On se retrouve dans la semaine, si Dieu le veut et si j'ai la force de revenir vers vous. C'était votre Claire Newman, activiste militante de droits de l'homme au Gabon. Et je suis en colère aujourd'hui contre tout, contre tous les malheurs qui nous frappent dans notre pays. Que Dieu vous protège, que Dieu protège le Gabon, que Dieu veille sur les âmes perdues, que les personnes qui sont dans les océans, que Dieu vous donne encore la force de continuer à croire, la force de continuer à espérer. Je ne sais pas dans quoi tu es agrippé aujourd'hui là, continue à croire. Rêve du Gabon, rêve de Rio, rêve de la gare routière, rêve du coma, tu es en train de sauter, ça là, ce rêve là va te donner la force. Continue à prier et on ne sait jamais, un miracle peut arriver même après une semaine, même après 10 jours, on peut continuer à vous trouver, même si tu rêves un petit souffle, que Dieu vous protège là où vous êtes, chacun d'entre vous. Nous, tout le peuple gabonais, nous partageons votre douleur, nous partageons la douleur de toutes les familles et nous sommes avec vous du début jusqu'à la fin, même si physiquement nous ne sommes pas là, mais émotionnellement nous sommes là. Voilà, tous ensemble pour les naufragés. Gabon est notre seul héritage. Les malheurs des uns sont nos malheurs à tous. Voilà, nous savons tout simplement que le gouvernement, le PDG n'est jamais avec nous. Alors, ne faisons plus semblant avec eux. N'accordons plus de l'importance à ces personnes. C'est tout simplement des criminels qui ont décidé de nous décimer un par un. Voilà. Moka, je te connais très bien. Tant mieux alors, si tu me connais, on est ensemble. Bisous, à bientôt.